on s'est changé pour une nouvelle vidéo. Viens t'asseoir, moi. Viens t'asseoir. Donc aujourd'hui, on va faire la vidéo récapitulative de l'anniversaire de Lexi. Donc en fait, on a déjà ouvert ses cadeaux sur ma chaîne de vlog. Je vous remettrai les vidéos de ses découvertes de ses cadeaux en fin de vidéo. Mais là, je voulais vous les représenter sur la chaîne principale. Donc petite Miss a eu 3 ans ce mois de décembre. Donc elle a déjà 3 ans, on dirait trop un bébé. On dirait pas du tout qu'elle a 3 ans. Donc j'ai acheté quelques petits cadeaux que je vais vous montrer plus en détail parce que j'en avais parlé brièvement. Mais voilà, j'avais pas plus montré que ça. On va baisser un petit peu la caméra pour que vous la voyez mieux. Et donc, je vais vous mettre aussi en fin de vidéo toutes les photos qu'on avait prises durant les moments où elle va être venue. Si j'ai quelques vidéos aussi, si j'ai le temps de le faire, parce que c'est un peu chaud avec les... Avec la période de Noël, demain c'est le réveillon de Noël, donc c'est un peu compliqué de pouvoir gérer tout ça. Donc je vous mettrai au moins les photos qu'on a fait durant l'année, faire un petit diaporama de la mise pour vous rendre compte de tout ce qu'on a vécu ensemble. Parce que malgré qu'elle soit chez mes parents, j'essaie de la prendre le plus régulièrement possible et qu'on fasse des choses ensemble. Donc j'avais tout mis dans ce petit paquet là, donc c'est un paquet qui m'avait été donné au salon sans un compagnon par le stand de Bifard. Quand je leur avais acheté quelques produits, je me suis dit que c'était sympa de pouvoir le mettre aussi, de m'en servir pour mettre les cadeaux de Lexi pour ton anniversaire et non pas réutiliser toujours le même paquet cadeau que celui que j'avais acheté. Pour cacher, je me suis amusée à mettre certaines feuilles que j'avais eues dans les Woofbox. J'en ai gardé quelques-unes qui vont servir pour les colis. J'en ai mis un d'ailleurs dans leur colis de Noël. Donc le premier truc, elle les excitait, mais ils l'ont déjà mangé la dernière fois, ils vont pas s'en rappeler. Donc je lui ai offert des Chicos de chez Riga au kiwi. Donc là, ils les ont déjà tout mangé. Il y avait 4 échantillons. C'était un échantillon en paquet de 25 grammes, donc il y en avait 4 à l'intérieur. Donc comme d'habitude, c'est une bonne portion de kiwi et du poulet. Il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Voilà, c'est 47% de kiwi et 49% de poulet. Donc quelque chose de bien naturel. Donc ça, je l'avais eu pareil en cadeau sur le stand Riga au salon sans un compagnon. En fait, j'ai quasiment tout acheté parce que en fait, je devais retourner. Donc je vais refaire comme j'avais fait d'aller en animalerie et d'acheter quelques cadeaux supplémentaires. Mais finalement, bah, quand je suis allée à la jardinerie Leclerc, j'ai rien trouvé du tout qui m'intéressait. Donc je me suis dit qu'on va se contenter de petits cadeaux, sachant que juste après, il y aura les cadeaux de Noël. Donc ensuite, j'y ai offert ce petit mini panda qui est une marionnette pour doigts. Donc je vous avais déjà montré dans une vidéo haul, je crois, et donc ça c'est celui que je lui ai offert pour son anniversaire. Donc ça c'est pratique pour jouer avec parce que comme ils sont tout petits, pareil je vous mettrai la vidéo en fin de cette vidéo, au moment où elle a découvert et qu'elle l'a testé. Enfin le dernier truc que je lui ai offert, c'est ce que je l'avais vu sur le stand de Capachan, c'est un modèle que je lui ai acheté depuis super longtemps. Donc c'est le collier cerise qui fait vraiment, c'est vraiment le modèle que je rêvais le plus d'avoir. Donc en plus avec une petite étoile avec des ailes d'ange, ce petit personnage, je sais pas trop ce que c'est, un arc-en-ciel, un petit nuage, donc voilà, et c'est signé par la dessinatrice Cerise, qui avait la boutique Cherry Dog qui a fermé il y a très peu de temps. Ce modèle-là, ça faisait des années que je louchais dessus parce que je trouve le design super kawaii et super beau, et j'ai toujours trouvé trop cher, j'avais pas l'occasion de le commander. Et donc là, le truc, c'est qu'il était à 5€ sur le salon sans un compagnon, donc j'en ai profité pour le prendre. Et en plus, comme c'est sur une couleur de fond bleu, et ben c'est la couleur idéale pour Lady, pour Lexi, je veux dire. Il est légèrement grand, mais je devrais pouvoir le rafraîchir si besoin. Donc voilà, la mise avec son beau collier, mais dans l'autre sens parce que... Donc voilà. Et j'ai vu que sur le site ils avaient encore la laisse, donc on verra si on peut acheter la laisse. Il y a même des ceintures pour femmes encore, donc on se laissera peut-être tenter s'il y en a encore en stock d'ici. Donc voilà pour les cadeaux que Lexi a reçus pour son anniversaire. Donc 3 petits cadeaux, un basique, on fait un collier, une friandise et un jouet. Et donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. En tout cas moi j'adore le petit collier que j'ai acheté qui lui va trop trop bien. La boupette souvent avec moi, je ne l'oublie pas, loin de là, je l'ai vraiment tenu à la prendre pour mon anniversaire, enfin pour son anniversaire. Et donc à la fin, juste après, je vous mets ces photos de tout ce qu'on a fait pendant l'année. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On se retrouve mercredi pour l'ouverture de la Woofbox. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Bisous.